Yo les potentio, nouvelle vidéo, partie 2 des cartes à découvrir. Quand je vous ai fait la partie 1, il y avait genre peut-être 50 cartes, je sais plus du tout. En tout cas, si vous l'avez pas vu, allez la voir parce que je vais pas vous remontrer les cartes. Genre, regardez, genre toutes les cartes là, je vais pas vous les montrer parce que bah je vous ai déjà fait une vidéo. Je vais vous montrer juste les 10 nouvelles cartes si jamais vous ne les avez pas encore découvertes. Aujourd'hui, il y en a eu une nouvelle en plus. Du coup, voilà. Alors, déjà, il faut savoir qu'ils avaient rajouté une carte il y a pas trop longtemps. C'était la carte des pièces d'XP légendaires. Voilà, c'est celle-là. Donc, il l'avait rajouté avant. Ensuite, la carte J04, si vous ne l'avez pas encore débloquée et vous ne savez pas ce que c'est la carte du niveau 100, tout simplement. Ensuite, déjà, ok, j'ai eu 50 lamas. Ensuite, on va faire toutes les cartes qui sont à gauche. C'est toutes les cartes de super-héros. Et pour les avoir, soit vous allez en game et il y a quelques super-pouvoirs, soit vous faites les modes de jeu qui sont là. Genre, il y a Domination Marvel, etc. Il y a tous les pouvoirs dedans, même ceux qui sont pas encore sortis dans le Battle Royale. Du coup, vous avez le pouvoir de Venom, vous devez agripper des personnes. Le pouvoir de Tornade, vous devez faire un tourbillon en touchant des personnes. L'armure de Black Panther, vous devez exploser l'armure à côté de personnes. Ici, vous devez faire des dégâts avec les griffes de Wolverine. Les griffes sont sorties dans le Battle Royale, si vous voulez le faire en Battle Royale. C'est à Weeping Wood qu'il y a Wolverine. Ensuite, les gloutons détruits, c'est les gros boss, pas les petits bébés tout mignons. C'est les gros boss en entier qu'il faut détruire. Fatalis, vous connaissez. Technologie de Stark, je pense que vous connaissez aussi, mais il faut faire des dégâts avec les répulseurs d'Iron Man. Ici, vous devez faire des dégâts avec Thor. Là, c'est avec She-Hulk. Là, vous devez absorber des dégâts avec le bouclier de Groot. Ici, c'est avec Silver Surfer. Et après, tout le reste, je vous ai fait une vidéo si vous voulez voir toutes les cartes. Et la dernière carte qu'ils viennent d'ajouter aujourd'hui, c'est celle-là, la G01. Et je pense que des personnes ont peut-être dit qu'il fallait avoir le poisson Midas pour obtenir la carte. Alors que pas du tout, il vous faut compléter le tableau de pêche. Donc vous devez pêcher tous les poissons du jeu, il y en a 40. Et après vous allez obtenir cette petite carte. Donc moi je l'ai débloquée parce que j'ai tous les poissons. Et j'ai aussi le Midas, j'ai fait une vidéo. Et j'ai aussi le poisson guerrier, j'ai fait une vidéo aussi il y a une semaine pour l'obtenir. Et si vous n'arrivez pas à obtenir le poisson Midas, je vais faire bah, une vidéo pour vous expliquer comment l'avoir parce que plein de personnes ont menti. Du coup voilà. Je crois que c'est fini pour toutes les cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, il m'en manque une, mais c'est normal parce que c'est la carte du niveau 100 et je suis niveau 90. Et si vous voulez voir toutes les autres cartes, genre tout ça par exemple là à gauche, vous savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo, donc allez voir la partie 1. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et pensez au code créateur INSQ dans la boutique Fortnite. Ciao!